Et coucou tout le monde, bienvenue pour la suite de notre série sur BIP. Donc je suis en train de couper du bois parce qu'il me faut du bois pour Botania. Parce que Botania me demande du bois, elle me demande 32 de bois. Donc du coup, bah je vais lui request tout le bois. Ah, bah en fait non, j'ai pas besoin de tout le bois, j'en ai déjà. C'est magnifique. Donc hop, manuel, pouf, et on peut claim. Living thing, il m'en faut 6. Ok, très bien. Et il m'en faut des mana living wood. Il m'en faut 8. Ok. Bah living wood, j'en ai déjà. Living rock aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi ils m'en ont demandé, j'en ai déjà. Des mana splitter, donc ça c'est cool. Des pure daisy. Lexical botania. Oui. Voilà. Donc ça c'est cool, vous connaissez déjà très bien Botania, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hop. Alors du coup, au niveau de tout ça, une fois fait, nous demande de faire ceci. Alors ceci c'est de Wand the Forest, donc du fond de couleur, qui n'est pas forcément très utile à faire, mais toujours intéressant à le faire. Alors on va prendre la Building Wand là, pourquoi? Parce qu'on va justement... faire notre petit passage par là-bas. Waouh, ça c'est cool. Voilà. C'est quand même mieux d'avoir ce genre de choses pour taper notre zone. Ça c'est cool. Ce qu'on va avoir besoin aussi, c'est des cobbles. Là, pourquoi ceci? C'est tout simplement pour nous faire un mur. Qui me permet justement de faire un mur. Alors cependant, je vais utiliser du bois pour me faire un petit peu de charbon, ce qui est tout à fait normal. Il me faut encore de la cobble. Je crois que ça suffira amplement. Ouais, ça suffit largement, c'est cool. Hop, du coup, bah ça je peux le jeter parce que j'en ai pas besoin en fait. Je vais mettre des torches là-bas, hein. C'est important de mettre des torches. C'est très important de mettre des torches. Hop. Alors du coup, en F7, alors le F7 nous permet tout simplement de voir où est-ce que ça peut popper. Si vous êtes à plus de 15, 15 blocs de là où c'est pour que les mobs puissent popper. Voilà. Comme les piliers sont super beaux pour ça. Voilà. Et une petite torche au milieu. Voilà. Comme ça, c'est magnifique. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ici aussi, tiens. Hop. Et puis là aussi. Et puis là. Voilà. Donc. Voilà, ça c'est bon. On a le chest de cobble. On a ça. On va prendre un petit chest pour nous, pour Botania là-bas. Hop. Donc, je vais le foutre là. Voilà. Nous avons tout ce qu'il nous fallait. Le bois, il est en train de pousser tranquillement. Une pomme. Nous avons du charbon, c'est cool. Hop. Du coup, il nous demande de faire des living wood fig. Donc ça, pour... Tout ceci, nous, en fait, il nous faut du living wood de base qui est là. Et on doit en faire 6 comme ça. Ou pas. Living wood. Living planche. Living wood. Ah. Comment on fait du living wood de base? Alors, attends, Botania. Alors, en Botania, je sais qu'il me faut ce genre de choses. Ah, ok, c'était. Ok, c'est moi qui m'ai complètement gouré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai 6. Je manuel. Et je vais choisir la verte. Alors, ça n'a pas d'importance de choisir la verte par rapport à une autre, c'est juste que c'est pour vous votre choix. C'est tout simplement le choix du mec qui fait que vous avez une verte, une bleue ou quoi, c'est vous qui choisissez. Alors, du coup, il nous faut une mana pool, donc il nous faut 32 living rock. Donc pour ça, bah on va utiliser tout simplement des floating.
Les floating nous permettent tout simplement de poser ceci là et ceci là. Alors, à quoi servent ces petites fleurs qui tournent là, qui sont à base de terre? C'est tout simplement pour mettre de la stone, cette petite cobble, hop, une fois cuit, ça vous fait de la stone, d'obtenir à partir de la pure daisy au bout d'une minute, de la living rock, living rock. Putain, je vais y arriver. Tout simplement en la laissant, une fois posée, vous la laissez et ça vous fait de la living rock à partir de la stone. Ainsi que si vous faites de la wood, du bois, quand vous le faites entourer autour de la pure daisy, vous attendez une minute, alors là, ça deviendra de la living wood. Voilà. Donc, je vais vous faire la présentation. Plutôt la démonstration, plutôt. Hop. Donc, du coup, vous posez ça là. Voilà. Vous déposez ça là également. Voilà, et vous attendez une minute, tout simplement. Alors, du coup, bah ça, on va attendre. Donc, il m'en faut juste 8 de plus. Hein. Donc, les 8 de plus vont être celles-là pour l'instant. Et on obtiendra 2 mana pool. Ok, ça, c'est cool. Du coup, bon, bah, on va attendre un petit peu que tout ça se fasse, hein, tranquillement. J'adore quand moi c'est mignon ça. Donc c'est la pure daisy qui flotte, hein, tout simplement. Alors normalement c'est posé comme ça. J'espère que c'est comme ça, c'est pas en hauteur. Mais normalement c'est bon parce qu'elle fait ses petites pétales autour. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, connaissez Botania, hein, je fais juste ça rapidement. Je fais juste ça rapidement. Toi, je m'en fous, c'est des planches. Donc, bah ceci étant fait, je vais faire la petite quête du haut qui est à la base en fait ceci. Donc, il nous faut 32 de bois. Bon, bah ça, c'est pas trop un problème. Ah, bah vous voyez, ça se transforme petit à petit. Et la wood aussi. Bah voilà. Bon, alors, on va juste récupérer notre petit bois. Voilà. Vas-y, récupère tout mon petit bois. Oui. Alors, ne pas tomber, hein. Donc, je vais mettre une barrière de sécurité plus tard. Hop, en manuel. Il nous faut 64 de cobble. C'est magnifique. Voilà. Et on peut te l'aimer. Oh, j'ai des Solar 5 comparé à des Solar 3. cependant, j'ai peur de tomber en fait. Ah, ça transporte 8000 en fait. Comparé à ceux-là qui transportent, je sais plus. Mais ils transportent bien une somme en fait. Une somme. Une version. Je sais que je peux mettre les deux. Et génère quand même 1000 là. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Cependant, je voudrais bien mettre de la cobble afin d'éviter de tomber. Éventuellement, les solars, je bon, viendrai un petit peu mad si c'était le cas. Donc, on va péter ça. Alors, vous pouvez le faire à la vrench comme le faire à justement ce que je viens de faire. Hop. Alors, ça transporte 800, ok. Bon, en même temps, un seul solar permet de générer tout ça. Donc, du coup, on fait juste un solar dessus. Voilà, hein, et puis ça générera, bien sûr, quand il fera jour. Pareil pour ici. On lui fera la petite génération qui va bien, qui est de 64 pour lui. Il sera plutôt content. Bah, j'espère en tout cas. Le solar, du coup, on va les garder. On va garder un petit peu d'énergie par la même occasion. Ceci également. Hop. Donc, du coup, il nous faut du wood. Donc, ça sera de la stone à gogo. On va mettre une petite torche ici. La petite torche qui va bien. Il nous faut 64 de stone. Donc, on va lui rajouter de la stone librement.
Hop. Donc normalement c'est pour Botania, sauf que là je vais la garder juste pour cette quête-là. Hop. Donc à bien faire ce qu'il faut. Tu. Mais gratouille la tête. Hop. Hop. Hop li. Et hop. Voilà. Du coup, 64, on a de la wood. Ah, de la wood. Ça, c'est bon, la wood. Pourquoi la wood? C'est tout simplement, on peut faire son premier lit. Oui. Notre premier lit des familles. Cependant, le lit, je vais le mettre, par exemple, ici. Pouf, on va dormir. On va faire dodo. Oui, fijour. Oui, fijour. Et puis lui, il génère des masses et des masses et des masses. Et lui, il génère aussi pour lui. Comme ça, j'ai de la lave en illimité. D'ailleurs, je pourrais mettre un Solar 5 ici. Juste pour lui, en fait. Temporairement, juste pour lui. Ah oui, bah c'est chargé, en fait. En tout cas, c'est cool, c'est beau, ça se fusionne. Ça, c'est cool. Donc, du coup, j'ai de la lave. Donc, on va se faire un petit peu de l'obsidienne, là, actuellement. La cobble, on y reviendra plus tard. Tac. Tac. Nous avons besoin de tout ça. Donc, de l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Voilà. Donc, il nous en faut un. Allez, vas-y, on t'attend pour travailler. T'es... Puf. Hop. On attend que tu travailles. Ouais, c'est cool ça. Quand tu mets un gros solar dessus, c'est tranquille. Hop. Je m'éclate. Du coup, bah, je vais pouvoir lui redonner envie de refaire ce qu'il faut. Oui. Voilà. Et fait de la cobble. Hop. Du coup, on a les 5 qui nous permettent d'en avoir 10 de faire le nether. Voilà. Ensuite, il nous demande d'avoir de la stone pour obtenir de la redstone et de l'eau. 32 pour obtenir tout ça. Oh, ça c'est cool. On va pouvoir faire les abeilles facilement après. De la dirt. 128 de wood pour obtenir une quadruple compressée de dirt. Ça c'est cool pour les abeilles. Ça c'est plutôt cool. 128 de wood par contre. Il n'y a pas de l'harvester. C'est tellement plus simple. Tac tac. Il me faut de la bouffe. J'ai plus de bouffe. Ah oui, il faudrait peut-être que je fasse l'agricraft pour avoir de la bouffe. Des sugars, des potatoes, des carottes, des pumpkins et des watermelons. Oh, des watermelons, tiens, ça peut être sympa. Tac. Ouais, je vais en prendre un. Mais il me faut de la dirt. Ah bah, j'en ai de la dirt. Voilà. Le petit arrosoir qui va bien. Et pousse, mon petit, pousse. Vas-y, mon petit, tu peux le faire. Donc ça a fait de la pastèque, hein, Watermelon. C'est de la pastèque d'eau. Waouh, superbe. Voilà. De toute façon, je ferai ma petite agriculture juste après. C'est juste histoire de d'avoir un petit coup de bouffe par-dessus. Au niveau de ça, je voudrais bien qu'il y ait l'harvester. Cependant, bah, j'ai pas ce qu'il faut pour faire l'harvester. C'est un petit peu dommage. Moi des pop tout ça. Ah oui, j'avais dit que j'allais continuer en fait la petite source ici. Afin d'éviter de tomber.
Voilà, ça va juste m'éviter en fait de tomber, tout simplement, ce qui est quand même nettement plus avantageux que... Une petite torche pour le plaisir de mesdames. Hop. Non, je vais continuer un tout petit peu sur le côté. Voilà. Non, ici. Voilà. Comme ça, c'est magnifique. Alors, du coup, hop, hop, il nous faut une petite torche pour lui. Tac, voilà. Comme ça, nous sommes sécurisés. Oh, bah c'est cool. Ça commence à devenir, à prendre forme, hein, la petite base. Tranquillement. Donc, on va récupérer juste la Living Rock qui se trouve ici. La Living Rock, bien sûr, je vous rappelle que c'est du Botania. Hop. On va dans Saut magique. Hop, manuel. On peut te les. Il nous demande 128. Oh putain, 128. Eh, ça, c'est pour me permettre de faire des billes. Pour générer des billes avec la mana. Ça, c'est cool. Du coup, 128, c'est quand même assez cher. Donc, on va oublier Botania pour l'instant. On va revenir à nos principes de base. Qui est quand même de Botania. Donc, ça, et ça, c'est bon. Il nous faut les trucs de base. Donc, ça, on s'en tape. On y reviendra plus tard. C'est assez dangereux par ici. On va faire le petit côté bois. Voilà. Ouais, un petit côté bois qui est plutôt cool et sympathique. Du coup, voilà. Hop, nous avons la lave, nous avons les générateurs de... Générateurs tout court. Nous avons de la stone. Qui nous permet d'avoir ceci. Et nous permet d'avoir ceci. Nouveau du flint, il nous faut 16 de flint. Évidemment, comme c'était pas assez chiant à avoir. Non, quand tu pulvérises ça, ça fait quoi? Ah oui, ça fait du flint. Ok, du coup, il nous faut de la cobble qu'on fait pulvériser après. Pour obtenir peut-être du gravier. On y reviendra plus tard. 5000, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça fait du flint, hein. Le flint nous permet d'obtenir ceci. Et également, lui, le flint nous permet d'obtenir ceci. Ok. Cependant, 128 de bois, c'est un peu long à voir. Ça, bah, il faut faire travailler les abeilles. Ça, c'est bon. Ça, il faut de la cobble à gogo. 4. Pouf. 89%, bah c'est cool. Oh, j'ai un arbre. J'aime bien la musique là. Version remixée, je préfère. Là là. Il faut monter tout en haut. Oui. Voilà. Ça, c'est cool. Bon, par contre, je ferais bien une petite vache. Petite vache. Oui, bah oui, bien sûr. Un petit étang de dirt pour tout ça. Ouais, je m'en doutais un petit peu, tu vois. On va mettre juste l'eau au milieu. Avec ceci. Qui me permet en fait à partir du verre de voir ce qu'il y a en dessous. Voilà. C'est juste pour faire ceci. Voilà. Bon, bien sûr, il faudrait peut-être que j'en refasse un plus. L'arbre qui pousse. Juste en dessous, juste au-dessus de moi. Bah tiens, je vais tout prendre. Duc, duc. Voilà.
Donc du coup, quand on va péter le... Voilà. Quand on va péter maintenant la dirt en dessous, on sera protégé. Voilà. Autant que je le fasse maintenant, ça évitera des petites surprises après. Donc la cobble, nous en étions ici. Voilà. On peut l'aim. Donc ça, bah, ça vient juste pour les abeilles. Du coup, il nous demande de faire quoi? Bah, c'est juste des quêtes annexes. Donc ça, bah, il nous demande de faire le flint. Pour obtenir tout ça, qui nous permettra d'obtenir bien sûr par la suite les comment on appelle ça de faire les abeilles facilement. Voilà, il nous en manque 6. Ça va, c'est pas la mer à boire non plus. Hop. Ça va être un petit peu long tout ça, mais bon, c'est plutôt rapide après. Hop. Il nous faudrait une petite cobble. Voilà. Tranquillement. Obtenons du coup ceci. Et en plus, comme j'ai gardé un nénuphar, ou 3 déjà, j'ai plus. J'en ai gardé 3, c'est magnifique. Je peux poser ça dessus. Voilà. Merde. Voilà. Comme ça, on peut passer dessus. Hop. Bon, ça va être très long d'avoir les 256 bois. Hein. Surtout sans harvester, ça va être très long. Mais bon. On a déjà ce qu'il faut. Donc il en manque 63 x 3. 4 de gravier. Donc il nous en faudrait 6. Si j'ai bien. Oui, c'est bien ça. Il m'en faudrait 6 de gravier. Comme ça, je les mets directement en mode pulvérisation. Et du coup, on pourra accomplir cette quête. C'est bien, on a du sable. Allez, le sixième, s'il te plaît. J'adore les solars qui sont toujours autant full. Qui font jusqu'à... Ah bah ça va, 11 millions. Ça va, on va dire que j'ai tranquillement. Ah, ça c'est intéressant. Hop. Donc on va obtenir du coup nos 6 flints de plus. Hein? Voilà. Ça c'est cool. 2. 75%. 81. Si je compte bien, 87. Ouais. Si je compte bien, 95. Ah, 93. Moi, j'étais à côté. Et voilà. Hop, je remets ça par-dessus. Voilà, on a les 100%. Nous avons des lingots. Ça, c'est cool. Nous avons des lingots. Alors, par contre, je vais juste étendre. Ah, étendre. Plutôt faire un autre coffre juste pour les minerais en fait. Puis j'en ai pas besoin ici donc c'est bon. Hop, du coup, ici bah, il nous demande toujours les 16 flint en fait. Et il nous demande 64 netherrack. Ok, donc on va aller dans le nether, les gens. On va aller dans le nether. J'espère que ça va pas être trop mortel. Je pense pas que ça va être mortel, mais bon, on n'est jamais sûr. Hein. Hop, hop. On va faire notre portail du Nether qui se trouve. Alors, comme c'est du 4. Voilà. En plus, si je me cours, ça va pas le faire. Voilà, tac et tac. Voilà. Voilà. Et puis vous faites votre dalle de cobble, tout simplement nous permettant d'éviter de poser des torches là-haut, qui nous permet justement d'obtenir ce qu'il faut. Tac. Voilà. Nous avons ce qu'il faut. Et normalement on peut les transformer, c'est cool. Alors cependant je vais me chercher du coup un petit peu de bouffe. Bon bah ça c'est cool. Normalement c'est bon, on peut aller dans le nether.
downloading terrain. Ça prend du temps. Bonjour. Alors, je vais mettre un petit point du genre home. J'espère que les pingouins ne sont pas mad de base. Ils sont pas mad. Oui, je peux miner du quartz sans qu'il me pète à la gueule. Ah, ça c'est cool. Voilà, alors du coup, il nous demandait tout simplement d'obtenir, pas ici, ici, 64 de Netherrack. Salut le guest. Est-ce que le son n'est pas trop fort des hostiles créatures? Non. Ça doit être mon casque qui doit être fort. Ouais, on a nos petites. Alors, je vais devoir retourner. Voilà, chez nous. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Bah, retourner chez nous pour récupérer, pour réparer en fait la pioche. Voilà. Cependant, je vais la prendre. Pourquoi la prendre? Parce que tout simplement, si j'ai besoin de la réparer, bah, je la répare là-bas. Directement. On va y retourner. Non mais... Merci pour la gunpowder. Voilà. Alors, bien sûr, récupérer de la Netherrack, c'est vraiment très peu. Alors, je récupère ça. Même si j'en ai pas forcément besoin. Ah, c'est vrai, nous avons Tomcraft dessus. Les Whips, c'est bien Tomcraft. Voilà. Hop, est-ce qu'on a Tomcraft? Ah oui, on a Tomcraft, ok. Salut Pigman, ça boum? Bah oui, hein. Permettez, je récupère les champignons. Voilà. Ça me fera en fait de la soupe de champignons. Voyez, c'est tout simple. Hop, allez, on retourne chez nous. Voilà, on retourne chez nous, on est tranquille. On récupère ça. Je mets les champignons là, c'est toujours important. La gunpowder, le sable, ça, bah, je vais le reposer parce que j'en ai besoin pour réparer encore. La cobble, la netherrack, on la garde du coup. On clean. Youpi! Nous en avons du coup besoin pour. Nous avons besoin de cobble déjà. Hop! On a besoin de cobble. Pour faire nos petits planchers. Voilà. Petit plancher. Voilà. Je casse ça hein, parce que j'en ai pas besoin. Sachant que ça ici, j'en ai pas besoin non plus. Donc en fait, c'est plus simple. Ah oui, d'accord. Hop. Va foutre la Nether Wart, hein. Et puis voilà, hein, comme ça on est tranquille. Tac. Bon, bah ça c'est cool du coup. Là, on a ceci, cela. Hop, continue. C'est pas ce qui nous manque, hein. Le sable, c'est pas ce qui nous manque. Du coup, bah ça c'est bon, c'est fini. Du coup, il nous faut 16 de flint pour obtenir la redstone et la glowstone.
En plus, il y avait du gravier là-bas. J'aurais pu en prendre, en fait. Mais il fallait en chercher. Donc, du coup, c'était pas non plus très utile que je le fasse maintenant. Ça, bah, on y reviendra juste après, dans le prochain épisode. Le mutagène machin, on y reviendra après également. Parce que, du coup, il faut une common. Donc, il faut faire déjà une mutation pour l'avoir. C'est cool. Bon, bah, c'est cool. Du coup, bah, c'est cool. On va se laisser là, du coup, les gens. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le j'aime. Et puis, bisous tout le monde. À la prochaine. Ah, du bois. Encore et toujours du bois. Bisous.